Bonjour à tous, c'est Ardensio, bienvenue et bon retour sur le Mont Rochenoire pour enchaîner sur la prochaine aile. Nous voici, donc on a encore 8 matchs à faire. Et nous attaquons le repère de l'aile noire. Notre premier adversaire, ça ressemble à un dragon. Vous voulez venir chez moi? Très bien. Tranchetripe, détruis ce sale gosse ingrat. Tranchetripe. À mon avis, le nom doit être mieux en anglais. Alors, vous êtes maintenant dans le repère de Nefarian. Tranchetripe et ses œufs corrompus vous barrent la route. Les œufs, c'est pas les trucs qui se transforment là quand on tape dessus? Alors, la colonie, pouvoir héroïque, confère plus 1 PV à tous les œufs corrompus, puis en invoque un. Ah ouais, d'accord. Bon. Et avec quoi on va se battre contre ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait qui s'en ficherait des œufs? Il nous faut de l'AOE, certainement. Un double AOE, il faudrait peut-être mettre aussi... Voilà, le pyromancien sauvage. Peut-être qu'il faudrait du pyromancien sauvage. Ou peut-être pas, de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'aller jouer ça. Je peux peut-être jouer mon démo. Mon démo 3.0 d'ailleurs, plutôt que 2.0. Qui lui aussi a du repop, donc pourquoi pas. Faut déjà qu'on aille voir à quoi il ressemble. Là comme ça je sais pas trop. Donc va pour le démo qui peut avoir du finish mais qui est assez light. C'est un démo assez combo. Mais qui gagne rarement sur une combo. Contemplez les yeux corrompus de notre nouveau vol draconique. Votre âme sera à moi. Ok, alors est-ce que la bombe c'est vraiment utile ici? J'en suis pas certain. Faut peut-être plus de la créa. Je vais quand même la garder au cas où. Ah, plume infernale, c'est pas si mal. Donc c'est Tranchetripe l'indompté. L'indompté. Ces œufs causeront votre perte. Mais oui. Bienvenue. On va finir brouillé. non mais si tu fais de l'humour pourri, je peux pas gagner quoi. Éloignez-vous de ces œufs. Alors là par contre, s'il y a un jeu de mots, je le comprends pas. Enfin. Je peux mettre un terme à votre souffrance. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Bon, bah on va lui piquer un œuf. On va espérer lui piquer le bon. Dislocateur mental TC130 enclenché. C'est pas le meilleur. Ok. Ces œufs sont plus précieux que vous le croyez. D'accord. Ah donc ils repotent pas. Ah je pense qu'il faut les détruire parce que là si on les garde. D'accord. Alors c'est quand ils atteignent un certain niveau peut-être. C'est peut-être ça. On va déjà tuer celui-là. Vous allez payer ces atrocités de votre père. Vous allez le payer. Pas content le monsieur. On va piocher. Non mais faut que je m'en débarrasse. Il a que des dragons en main là monsieur. Que des dragons en main. Là j'ai rien de très... Ouais, je pourrais balancer ça, mais c'est un peu tôt, je pense. Alors ça, il va vouloir l'éliminer. Je vais le tenter pour voir ce qu'il fera. Logiquement, il élimine la 3-3. Ah. Il en a marre que je casse des œufs. Je pourrais mettre des œufs aussi, mais c'est peut-être un peu tôt. Un peu tôt. J'attends de voir quel dragon il va me poser. Hein. Je détiens la puissance de l'aile noire. Mais votre âme va souffrir. On va finir brouillé. Il dit toujours la même chose par contre, c'est un peu facile là. Bon, j'ai toujours pas envie de clean mon board. On va voir ce qu'on pioche. Ah, flamme infernale. Au tour prochain alors. Je pense pas qu'il ait 5 points de dégâts comme ça sous la main. Ah, il les a peut-être. Il les a sûrement. Hein? D'accord. Qu'est-ce que je peux attraper? Un Argus. Ah, c'est pas si mal un Argus. Mon bouclier pour Argus. Ah. De toute façon, il va me le tuer. Ouais, allez. Si je passe mon temps à contrôler à un moment donné... Ouais, ouais, ça change rien. En tout cas, pas grand chose. Ah, pas si mal ça. Pas si mal, pas si mal. Là. On élimine ça déjà. Je pense qu'on va piocher, mettre le crash vase et un tueur d'œuf. Non, on peut même se soigner au prochain tour, c'est parfait. Je peux mettre un terme à votre souffrance. Et puis on va pas lui laisser facilité pour tuer le tente. Ça c'est cool pour moi. Alors on va commencer à compter parce qu'on se rapproche quand même de la fin là. Donc 3, 4, 5, 8. 8 plus 6, 14. 14 et 4, 18. Il nous manque un. Il nous manque un. Qu'est-ce qu'on peut choper? Eh, diablotin. J'ai peur de la OE. J'ai peur de la OE. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai peu de chance de faire 4 de toute façon. Oh, ça c'est dégueulasse. Bon, alors on va reprendre un PV. Là, franchement, c'est dégueulasse. D'accord, mais c'est gagné de toute façon. C'est gagné de toute façon. Donc c'est parti. Puis on s'arrête là. Et voilà. Ah, les doigts dans le nez, mais je me demande si en mode héroïque les œufs repoperaient pas quelque chose. Parce que là c'était quand même un petit peu trop facile. Ouais. Ah, la carte guerrier revanche qui remplace des fois le tourbillon. De ce que j'ai vu sur les streams et dans les vidéos, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si vous avez 12 PV ou moins. Et 3 points de dégâts à la place si... Ah non voilà. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si vous avez 12 PV ou moins, inflige 3 points de dégâts à la place. Donc un clean de board plutôt pas cher. Ah bah ça s'est bien passé. Alors la suite. Voyez comme je peux facilement corrompre jusqu'à ce dragon rouge géant. Dragon rouge. Il a combien de bras ce dragon là? Vaelastrasz. La Calestrasa. Allez, le Stras veut dire quelque chose en dragon? Je sais pas, vous connaissez mieux quoi. Attendez, je vais tousser un coup. Pardon. Je n'y connais rien en langage de dragon, mais ça a certainement un rapport. Vaelastrasz est un bon dragon, mais Nefarian l'a transformé en être maléfique contre son gré, ou même à l'insu de son plein gré. Alors, son pouvoir. Chaque joueur pioche 2 cartes. Oh, donc ça veut dire qu'il est probable qu'il me flotte le board. Donc il me faut un anti-zou. L'anti-zou, bah mon démo est pas trop mal contre le zou. Je pense, il a des cartes peut-être un peu chères, mais il a des Hellfire là. Moi je le tente très bien avec. Ah. C'est reparti. L'autre solution c'est le mecha. Parce que le mecha ne pouvant pas piocher, si tu lui donnes des cartes, là ça fait extrêmement mal. Donc si on perd, on pourra tenter le mecha. Partez avant que je perde tout contrôle. On pourrait presque garder les grosses parce que vu qu'il va nous donner des cartes. Ah non, parce qu'il faut que je vide ma main aussi. C'est ça le problème. À un moment donné, on risque de se faire... Ah, j'ai mal calculé. Ma main va être pleine. Trop tard. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. Bah. Pardon. Vous auriez dû fuir tant qu'il en était encore temps, mortel. Merci. Vous auriez dû fuir tant qu'il en était encore temps, mortel. Croc zombie, c'est pas trop mal. C'est pas ce que je pensais, ce mode en mode zoo. Je m'en doutais un peu. Là, ça vaut pas franchement le coup, par contre. Ça vaut pas franchement le coup, mais le tour suivant... De toute façon, je vais jouer ça. Je vais la garder pour un combo après. Une chouette, c'est pas si mal. Une carte de druide. Ah ouais, un démo druide. Ah l'enfoiré, il va me meuler hein. Il va me meuler. Ok, gros meuleur donc. Donc il faudrait que je joue Hunterface. Ma main est déjà pleine. Oh, c'est pas vrai. Ma main est déjà pleine. Oh, c'est un peu dégueulasse ça. Attendez, petit défaut. Je peux mettre un terme à votre souffrance. Pardon, un coup de téléphone inattendu. Ah bah je me suis fait laminer, mais laminer quoi. J'ai même pas de quoi le tuer. 5, 6. Ah si, double. Double. Mais après... Ah si, je vais me faire soigner en faisant ça. Ouais. Je vais faire ça. Ça. C'est chaud, marron chaud quand même. Lui-même commence à se meuler, d'accord. En tout cas c'est marrant comme partie. C'est marrant. Mais je vais encore perdre des cartes probablement. Normalement il faudrait que je joue ça et ça, le problème c'est que si je fais ça, il peut me tuer. Il peut me tuer. J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il va me faire perdre encore une carte. Ouais, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque parce que sinon de toute façon j'ai perdu. Donc, on va bien voir. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc j'aurais pu compter en fait. Hein. Ouais j'aurais pu compter. J'ai pas très bien joué. Je pense qu'on va mettre le Torisan. Ou c'est encore trop? Non, on va jouer ça. Dislocateur mental TC130 enclenché. Puis on va jouer ça. Mes yeux sont grands ouverts. Et on va le tuer. Ombre flamme, pas mal. D'accord. Ma main est déjà pleine. Ah l'enfoiré hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je le booste à 5. Et ombre flamme, non, ça m'avance à rien. Jouer les petites cartes, pas le choix. Donc on va pour ça déjà. Une. Oh, j'ai pas assez de petites cartes, c'est violent. J'ai absolument pas assez de petites cartes quoi. Ah, ça m'a mal barré. Non, il n'y a que 3 points de différence, mais le problème c'est que je peux rien poser quoi. Ouais, bah ça c'est pas... Disons qu'il faut le finir en un tour quoi. Oh, c'est pas vrai! Bon. 7 et 2, 9. Le problème c'est que si je l'attaque comme ça, il va poser tous ses géants. Tâchez de jouer des sorts. Non, je peux pas l'attaquer comme ça quoi. Voilà, c'est perdu. Là, je suis un peu vénère. Je suis un peu vénère, je devinais ce qu'il allait faire, mais j'ai pas du tout bien pris. Pardonnez-moi mon ami, j'ai échoué. Le problème c'est que j'ai pas de deck prévu pour cette style de jeu. Franchement c'est un peu énervant parce que je suis obligé de créer un deck pourri. Ou alors un mec. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? Ouais, toutes les grosses cartes. Alors franchement, celui qui a dit qu'il a battu, j'ai vu ça, hein, qu'il a battu le Mont Rochenoire avec tout le même deck, alors là faut qu'on m'explique, parce que là, il y a un deck, il fallait des grosses cartes, là il faut des cartes pourries. C'est pas possible quoi. C'est pas possible, franchement... Alors bah on va faire un deck bourrin, hein. Je voulais qu'on fasse d'autres. Bah, un géant des montagnes. La carte qui m'a joué éventuellement... Elle était où cette carte là? GG à Mulcifer qui obtient le rang 5. Je peux pas lui dire. Elle était où la carte avec la main? Tout. Robot d'alarme serait pas mal non plus. Ah, le sapeur gobelin. Pourquoi pas un sapeur gobelin? Et puis le drake évidemment, mais le drake il faut quand même... Il coûte 4 à mettre quoi. Ça m'emmerde un peu. Ah bah c'est des chouettes qu'il me faut. Bah oui, je suis bête. Il me faut des chouettes. Il me faut des chouettes. Je vais peut-être pas mettre tant que ça de l'Evzuka. Il me faut au moins une chouette pour les drakes. Et une... peut-être même deux... Qu'est-ce que j'enlèverais? Des incarnes, c'est pas si mal que ça quand même. Oh, une hyène, c'est pas exceptionnel la hyène. Et hop, c'est parti. Rexar contre Vaelastrasz. Partez avant que je perde tout contrôle. Que la traque commence. La hyène c'est pas la meilleure carte. Ça c'est mieux. Trop tard. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. La fureur de Roche-Noire coule dans mes veines. On va poser tout ce qu'on peut. ça c'est pas mal. Déjà, ensuite ça. Ensuite ça. C'est parti. Ah, d'accord. Effectivement, c'est pas mal ça. On met deux. D'accord. C'est correct, je l'admets. Oh bah ça c'est pas mal, pas pour ça. Alors, il va peut-être essayer de me le voler. S'il a pas de tente, ouais voilà il me le vole. Mais c'est dans le deck. C'est dans le deck. Alors 5. Donc il faut que je joue le maximum de cartes. 5, je peux jouer que 2 cartes. 22. Donc là j'ai combien de points là? 9, 12, 14 points. 14 et 5, 19. Bah 19. Oh, il me manque un point, c'est pas vrai. Et ben. On finira au tour prochain. Donc on va mettre une hyène charognarde. Hop. Il pousse ma hyène. D'accord. Ah oui, ta main est déjà pleine, mais c'est pas grave. Bah voilà. Ah, j'avais hésité, hein. J'aurais dû faire le hunt face dès le départ. Ouais, je t'ai sauvé. Ah non, parce qu'il s'appelait pas Nathalie, donc comprenne qui pourra. Les Atis-Flammes, je vais pouvoir jouer Tempo Mage, combo. Ah là là. Je vous conseille les vidéos de Strife Crow sur le Tempo Mage. Ça vaut le coup d'œil. Alors est-ce que je vais avoir le temps de tout faire si je continue à perdre? C'est pas sûr. Romagus est l'une de mes plus belles réussites. Regardez-le.